Bonjour et bienvenue dans le potager du Monte Carlo Bay. Nous cultivons ici 400 mètres carrés de maraîchage avec seulement 60 cm de terre parce qu'on est sur le toit d'une salle de conférence. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culture de cacahuètes. Alors voici la graine de cacahuète. Effectivement, c'est une cacahuète qu'on grignote habituellement, c'est la même chose. Celles-ci nous viennent de Martinique grâce au chef Marcel Ravin qui nous les a importées. Vous pouvez la planter à partir de février-mars dans des petits godets en serre pour que la germination se fasse. Vous pouvez soit laisser la coque, donc vous aurez deux plants dans un godet, ou alors défaire la coque, sortir les deux graines, et les planter séparément, chacun une graine pour un godet. Donc une fois que vous avez planté votre graine et qu'elle va commencer à germer, elle ressemblera à ça. Vous pourrez replanter votre plant de cacahuète en pleine terre à partir de mai. Alors vous pourrez commencer à sortir vos plants d'octobre à début décembre. Avec une pelle ou avec une fourche. Je les sors délicatement parce qu'elles sont toutes rattachées au sol. Et si je les arrache, je vais perdre la moitié de la récolte. Alors ici, on a une terre très argileuse et sableuse et ça convient très bien pour la culture de cacahuètes. Voilà, le plant de cacahuètes est déterré et maintenant on va aller le mettre à sécher. Si à cette période vous avez peur de quelques averses de pluie, préférez la mettre à sécher à l'intérieur. Alors après une dizaine de jours de séchage, vous saurez que vos cacahuètes sont prêtes parce qu'elles font du bruit, elles se déplacent à l'intérieur et quand vous craquez la coque, ça fait énormément de bruit. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le grand chef étoilé Marcel Ravin du restaurant Le Blue Bay. Et donc Marcel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, quelque chose autour des cacahuètes? Oui, on va mettre un peu la nature dans l'assiette, tout simplement, en partant bien sûr des produits du potager. Et la cacahuète deviendra un condiment d'assaisonnement. Tu vas déjà m'égriner quelques cacahuètes. À côté de ça, je vais effeuiller un peu de salade. On va prendre les jeunes pousses. Mais là où je suis quand même très content, c'est que je ne pensais pas qu'on allait avoir autant en production. En production, ouais. Parce que la preuve, je l'ai mis à la carte. Oui, incroyable. Je pense que de l'histoire de Monaco, on peut dire que c'est la première culture de cacahuètes, non? Oui. Alors là, on va préparer une petite salade légumes et de jeunes pousses. Ouais. On va faire un montage avec un peu de kale. Du chou kale, oui. Tu vas m'écraser quelques cacahuètes juste avec le... On va en garder certaines entières. Et les autres, juste les concasser. Ouais. Là, nous avons mis de la blette, du kale, poivron, rouge. On va mettre aussi le fameux poivron que tu m'as fait découvrir. Poivron noir. Voilà. Je ne connaissais pas ce poivron. Mm-hmm. La moutarde. Oui. Ça va apporter le côté piquant. Il faut que les herbes apportent justement ce complément de saveur. Tout à l'heure, on a pris quelques feuilles d'oseille. Oui. L'oseille va apporter un peu d'acidité. Dessus, c'est comme si on recomposait un espèce de petit mesclin. Oui. Tout, mais avec différents goûts. Tu vas prendre juste les fleurs là, tu vas les effeuiller et tu vas les poser délicatement dans le bol pour apporter ce jeu de couleurs qui puisse créer l'envie. Les cacahuètes. Là, avec tu quoi vas tu me veux mélanger. Je les pile avec quoi? Non, on va juste les compresser comme ça. Hop. Voilà, ça suffit largement. Et là, tu vas réaliser une petite vinaigrette. Tu vas mettre un peu d'huile de curcuma. Tu vas mettre une pincée de fleurs de sel. Deux tours de moulin à poivre et un petit peu de balsamique de 25 ans d'âge. Et tu vas mélanger ça délicatement. Notre fameuse huile, le balsamique d'exception et nos cacahuètes du jardin concassées. Là maintenant, les petites fleurs que tu vas mettre, quelques petites fleurs juste dans la calebasse. Tu les poses délicatement comme ça un peu partout. Alors ici, on a de la fleur de sauge ananas par exemple. Les fleurs peuvent être des compléments de goût dans les plats. Là, on va mettre un petit peu d'oseille sanguine, un peu de fleurs de bourrache, un petit peu de basilic pourpre. Alors là, on est sur une fleur de tagette lemon. On y met généralement les pétales. On a l'impression, je ne sais pas si tu ressens un peu la même chose, mais que c'est vivant. Ah bien sûr, totalement. Alors, on a fini maintenant, je pense que c'est une magnifique assiette. Pour faire un petit résumé, c'est... La nature dans l'assiette, nous avons travaillé autour de la cueillette du potager urbain des terres de Monaco. Eh bien, merci beaucoup Marcel, c'est vraiment magnifique.